Tout de suite. Je te remercie. Allez, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Ton pote. Garde tes distances. Hey, tu sais y jouer? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hey, Bobby Fischer! Pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte. Allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seuls, là-bas. Tu rigolais pas. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est une gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais. Non mais c'est quoi ce type? Alors on va où, Bill? Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes.
qu'il y en a un à l'intérieur. Au fait, tu m'as pas répondu, Portes. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Allez, on y va. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures ? Ma parole, t'es un petit génie, toi ! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini ? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail ! Merde ! Tiens-toi prêt ! Dans l'entrepôt, ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill ? Joël ? Par là. Allez, on monte. T'aurais pu choisir un autre endroit où crécher. C'est horrible, mais au moins ils sont prévisibles. C'est normal qu'ils me foutent les jetons. Il a placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir ? Ils ont pas la clé, moi si. Bon, c'est par où ? On y est. C'est au sous-sol. Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme ? Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule ? Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps... Je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter.
Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi aujourd'hui? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui prennent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Allez, c'est parti. Voilà, c'est mieux. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Eh, hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Wow. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque...
quelque chose à confesser. C'est l'endroit idéal. C'est pas le confessionnal ici, c'est ma chambre. Ok, c'est bon, je touche à rien. Allez, rassemblez vos affaires. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon ? On verra bien.